j'ai réchauffé mon lait au micro-ondes à peu près 30 secondes. Donc, je viens prendre ma levure de boulangerie que je viens le mettre à l'intérieur de mon verre. Voilà, il se présente comme ceci et vous venez le jeter à l'intérieur de votre verre. Et vous laissez agir le temps que vous préparez votre préparation de pâte. Donc vous laissez agir comme ça le temps de préparer votre préparation de pâte. Alors, premièrement, je viens casser mes 3 œufs. Je viens mélanger le tout. Je viens ajouter mon yaourt nature. Je viens ajouter une pincée de sel et un sucre. Pourquoi un sucre? C'est pour casser l'acidité du pocha. Je viens ajouter un sucre vanillé. Donc là, je viens mélanger le lait et la levure. Vous voyez, le cube a bien fondu. Donc là, je vais venir ajouter 1 kg de farine de blé. Donc je verse jusqu'à la moitié. Ensuite, je prends mon pot de yaourt, donc ça sera le doseur. Donc je viens verser un pot d'huile et un pot de margarine. Donc le margarine, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Donc je reviens mélanger un petit peu. Et là, je viens reverser la deuxième moitié de la farine. Puis, je viens verser ma préparation lait plus levure. Et je viens mélanger le tout. Mélanger le tout avec mes petits doigts. Donc voilà, donc j'ai bien mélangé le tout. Je vais mettre soit un torchon ou sinon du cellophane par-dessus. Je vais laisser gonfler dans un endroit bien chaud pendant à peu près 1 heure, voire 2 heures. Même si c'est 3 heures, c'est pas grave, mais il faut que ça gonfle au moins jusqu'à là. Donc à tout à l'heure. Donc voici, après 2 heures de repos, ma pâte elle a bien gonflé. Je suis super contente. Donc là, elle va se dégonfler, c'est normal. Vous allez remélanger une deuxième fois. Voilà. Et vous mettez de côté. Donc j'ai préparé ma garniture. Donc c'est du fromage turc. C'est comme le goût de la feta. Donc j'ai mis du persil, j'ai pris 2 blocs. Donc vous pouvez remplacer ça par du gruyère ou sinon avec de la viande hachée. Quand je dis viande hachée, vous faites précuire
dans une poêle avec des oignons, des épices, la viande hachée. Vous pouvez même mettre un petit peu de concentré de tomate si vous voulez. Donc en garniture, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez mettre des épinards cuits. Vous pouvez mettre des pommes de terre en sorte de purée. Franchement, vous mettez la garniture que vous voulez. Ensuite, j'ai... Donc ça, ce sera pour la... Donc ensuite, j'ai pris deux jambes d'œuf. J'y mets un tout petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. Ensuite, vous avez le sésame. Et les... encore, j'ai oublié le nom. Bon, je l'écris là. Guigelle ou je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Et il vous faut un plateau. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait vite fait. Oh, merde. C'est bon? Donc, ensuite, il vous faudra deux blocs de fromage. Donc, on m'a posé la question, c'est quoi, enfin, quel goût a le fromage turc? Donc, c'est comme de la feta. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà goûté la feta. Donc, j'ai mélangé avec du persil. Donc, sinon, si vous n'aimez pas le persil, bien sûr, vous n'en mettez pas. Par contre, vous pouvez mettre du gruyère râpé. Si vous n'aimez pas le fromage turc, vous pouvez mettre de la viande hachée. Donc, quand je dis viande hachée, c'est vous faites pré-cuire la viande hachée avec des oignons, des épices dans une poêle. Et ensuite... vous venez ajouter dans vos brioches à l'intérieur. Il vous faut aussi, j'ai séparé deux jaunes d'œufs que je viendrai étaler sur la brioche. Donc j'y mets un tout petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. Bien sûr, il vous faudra aussi le sésame et le guinelle, je pense. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ces petits trucs noirs là qu'on met dessus. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais le remplissage de mes brioches. A tout de suite. Alors il y a plusieurs façons de faire les fentes de la brioche. Donc moi pour l'instant je vais faire en forme de rond, de boule. Donc là je viens étaler la pâte comme ceci. Je viens prendre un petit peu de fromage que je viens mettre au milieu. Voilà, pas besoin de remplir à ras bord, sinon à la cuisson ça va déborder. Et vous venez refermer comme ça. Et en même temps, on va venir tourner. Donc voilà. Et on vient les poser sur un plat. Donc vous refermez bien comme ceci. Voilà, on vient le poser sur un plateau. Donc là je vais vous montrer une deuxième forme. Donc on mélange bien. Donc, on vient étaler comme ça. On met un petit peu de fromage. Et on vient refermer comme ceci. Donc voilà, on appuie bien par contre pour que ça s'ouvre pas à la cuisson. Donc voilà, deuxième partie. Enfin, deuxième style de forme. Donc maintenant je prends mes jaunes d'œufs que je viens badigeonner, mes petites brioches. Comme
comme ceci. J'ai mélangé les graines de sésame et le nigel. Nigel ? Des nigel ou pas ? Bon, bref. Et je viens saupoudrer mes petites brioches comme ceci. Donc si vous aimez pas, vous en mettez pas. C'est comme vous voulez. Nous, on aime bien. C'est pour ça que je vous propose ces petites graines. Donc c'est parti au four. Donc comme vous voyez, là ça s'est ouvert, donc c'est normal, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est comme ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je sors mes pocha du four? Je viens poser un torchon propre dessus pour que la vapeur ne s'échappe pas et que par la suite les brioches soient bien mous. Donc là je viens mettre la deuxième tournée, à tout à l'heure. Donc voici le résultat, donc comme vous voyez c'est bien mou. Donc la couleur elle doit être comme ceci. Donc ça veut dire que c'est bien cuit. Donc on va couper au milieu. Voilà. Juste pour vous montrer le fromage. Il est bien ici. Donc je vais goûter. Mmh. Oui, oui, c'est délicieux. Donc voilà les filles, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez faire à peu près 35 petits pocha. Enfin, quand j'ai petit, c'est vraiment taille moyenne. Ensuite, donc juste pour vous dire que ça, c'est la recette de ma maman. Donc on fait ça, enfin je fais cette recette depuis que je suis petite, elle me l'a apprise. Je sais que toi, Emmanuel, tu voulais la recette de ma maman. Ben tiens, j'ai pensé à toi, j'espère que ça te fera plaisir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!